Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole. Côté que nous allons continuer l'aventure, nous, dans Marc chapitre 3. Nous voyons Jésus-Christ est formé équipe là. Et nous te posons la question, hein, est-ce qu'on fait partie de l'équipe par Christ là? Si oui, on fait partie de l'équipe fouille. Et qui te dit, je ne dis pas, ou pas obligé de même sang pour nous faire partie de l'équipe là. Et nous te voyons, équipe c'est un plus plusieurs qui est là, un, à nous prier. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci. Merci parce que vous relez nous. Nous-mêmes qui sommes des êtres infiniment petits, des pécheurs. Nous-mêmes qui faisons tout ça qui n'est pas bon, ou d'accord, ou venez mourir en place nous. Ou ressusciter le troisième jour pour nous la vie qui n'est pas bien finir. Nous prions, Seigneur, qu'on va continuer à parler, aidez-nous pour nous grandir la caille ou pour nous sembler avec ou plus. Nous prions dans le nom de Jésus, qu'à vivre, qu'à prendre pour tout temps qui est temps. Amen. Nous pas besoin de même sang. Pour nous faire partie même équipe là et c'est ça qui est belle dans l'équipe par Christ là. Nous lisons dans Marc chapitre 3 verset 31, suivant sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on vint lui dire: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui était assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Sous parole, ça nous capable conclure que Jésus-Christ, il t'a pral annoncé, ou bien il t'a pral déclaré une rupture entre lien physique avec Israël pour te accentuer sous former lien avec les âmes qui pas gain limite, qui pas lié par le sang vraiment, mais c'est avec une volonté d'obéir, avec une volonté de choisir, avec une volonté de suivre Jésus-Christ. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est ça que dit dans verset 35. Donc, monde qui fait partie de l'équipe par Christ là, c'est monde qui admet que c'est des pécheurs, que pas capable de faire rien pour sauver tête yo, qui d'accord que Jésus-Christ est venu vivre. Yo d'accord que Jésus-Christ qui t'est mouri a c'était dans place yo dans place moi parce que le salaire du péché c'est la mort. Jésus-Christ prend la mort dans place nous. Et vous comprendre que yo admettre que Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour, ça que moi-même ou même nous pas capable de faire. La mort t'a capable kember nous, mais la mort pas capable kember Christ. Donc il est mouri dans place nous. Et c'est ça qui fait le fait déboucantage là avec nous-mêmes. Il fin vivre une vie qui sainte, il ban nous il prend vivre pas nous, il aller à la croix pour être capable ban nous la vie. En Jésus-Christ, nous gagnons la vie. En Jésus-Christ, nous réconcilier avec bon Dieu. Jésus-Christ est venu faire pont, il réconcilier l'homme pécheur avec le Dieu saint, il réconcilier nous. Et c'est ça qui fait moi-même avec vous qui accepter sacrifice ça, nous c'est co héritier royaume ciel là. Nous c'est co-héritier avec Jésus-Christ. Donc, là nous lit même les moins lit texte ça, parti ça. Moi pas capable empêcher moi penser avec réponse que Jésus-Christ est by Pierre. Les Pierre te dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Qui ça va le passer pour nous mais nous quitter toute bagaille pour nous suivre? Et Jésus-Christ a pas répondre Pierre pour te dire: Pierre, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il continue pour le dire: et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra au centuple et héritera la vie éternelle. En d'autres termes, tout le monde qui fait choix pour suivre Christ, nous venons plus éclairés, nous venons plus intelligents, nous acquérons plus investissement là pour rapporter nous au centuple. Pas de plus bon cadeau qu'on est capable de battre tout. Et vous pensez ça que Jésus-Christ te voulait dire nous, il te voulait dire que lien entre les membres de une famille, lien entre les membres de la famille de Dieu, les plus profonds que famille humaine, les plus profonds que famille de sang, lien entre famille de Dieu, parce que racine nous, il y a aller au-delà de temps ça, nous gain pour passer sous terre ça. Lorsque frère en Christ se rencontrer,
naturellement nous ressentir une connexion à nul l'autre pareil. Me rappelle même nous qu'on allait dans retraite dans camp, on senti que le nous rivé nous sorti dans l'église qui différente, nous sorti horizon différent, mais le nous rivé automatiquement on senti nous faisons seul parce que nous gagnons même papa. Mais quelques petites leçons, moi pensais que qui gagnait dans partie ça dans 31 à 35 pour nous. Moi pensais d'abord Jésus-Christ t'a fait un repris, il t'a reprimandé Silaio qui a vénéré Marie, qui pensait que Marie était vierge, qui a vénéré la Vierge Marie. C'est une façon pour le dire nous que relation spirituelle dans les prioritaires à la relation naturelle. Les plus importants pour nous obéir. Et c'est ça qui permet que bon Dieu te joigne Marie disponible. C'est parce que Marie était dans la condition que bon Dieu t'a demandé, il te joigne disponible pour te utiliser, pour te porter Messie. Donc, question Marie vierge là, ça parle là-dedans encore. Pour nous pas capable plus sûr, nous lisons Marc 6, verset 3. Il a parlé de Jésus-Christ, il dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, c'est juste pour dire nous, Marie t'est consommé mariage li avec Joseph après la naissance de Jésus-Christ. Il t'a pas gagné petite fille avec petit garçon. Que puis devant nous pas gagné Jacques qui pral écrit dans le livre, dans la Bible, livre Jacques, nan, il est devenu un leader en dedans l'église primitive. Deuxième leçon que nous capables de tirer. Jésus-Christ lui mettait intérêt bon Dieu au-dessus de toute attache naturelle. Bon Dieu supposé au-dessus de toute décision que moi-même avec vous, nous apprenons en tant que petit. Bon Dieu supposé au-dessus de relation nous avec maman nous, avec papa nous, avec une autre, avec madame ou bien Marie, avec Timonio. Jésus supposé bon Dieu supposé numéro 1. Et s'il pas dans place ça, qui te dit ou va faire gaffe parce que pas gain l'autre place qui capable que belle. Et il va le démontrer nous tout en phase que Jésus-Christ mettait sous importance pour nous faire la volonté de Dieu d'abord et avant tout. En d'autres termes, bon Dieu, Jésus-Christ numéro 1, reste yo venir après. Cherchez premièrement royaume et justice de Dieu et tout reste bagay yo a venir comme des gui. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous bénissons, nous te remercions pour grâce, merci pour bonté, pour fidélité. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi.